Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui Leilo Inishmat, Rivka Batsara, Rachel Rachel Batsara, Rav Yosef Chaim Ben Emasimcha, Chaim Eliyahu Ben Shalom Nouski, Zara Bat Mazal Tov, Jiportish, Guy Yaakov Ben Blanche, Hajjaj. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Batra Perek Gimel Mishnah Hei. Eilo Dvarim Sheyesh Laim Chazaka, Ve Eilo Dvarim Sheyen Laim Chazaka. Aya Ma'amid Be'ema Bechatzer. תנור, וקיריים, ורחיים, ומגדל תרנגולין, ונותן זבלו בחצר, אינה חזקה. אבל עשה מחיצה לבהמתו גבוה 10 טפחים. וכן לתנור, וכן לקיריים, וכן לרחיים. הכניס תרנגולים לתוך הבית ועשה מקום לזבלו עמוק 3, או גבוה 3, הרי זו חזקה. Avant de lire et traduire cette Mishnah, on va faire deux choses, deux petites introductions, un rappel, et une illustration concrète du principe de la Mishnah avec un cas plus fréquent à notre époque. Tout d'abord, le principe, c'est les chazakot. Littéralement, une chazaka, c'est le fait de détenir une détention. On parle ici de présomption de bien. C'est-à-dire, lorsque j'affirme être propriétaire d'un bien, je dois prouver qu'il m'appartient. Lorsque je suis confronté avec le propriétaire initial, mon seul moyen de m'en sortir, c'est, durant les 3 premières années, sortir le contrat de vente ou apporter des témoins qui me l'a vendu. Après les trois années, alors on m'excuse le fait que je n'ai plus le contrat. Et dans ce cas-là, il faudra juste que je prouve que ça fait déjà 3 ans que j'exploite sans que personne n'ait contesté, n'ait protesté. D'accord ? C'est le principe des chazakot. Donc concrètement, c'est le cas type avec dans cette maison-là. Je suis installé, ça fait déjà 2 ans, elle appartenait initialement à Reuven. Ça fait 2 ans que je vis dedans. Reuven vient et dit, qu'est-ce que tu fais chez moi, allez, sors de là. Je dis quoi, ça fait 2 ans que tu me vois, que tu me dis rien du tout. Ah, on a dit 2 ans. Alors, Reuven aura gain de cause, ce sera à moi de prouver que, d'apporter un contrat le contrat de vente. Je dois prouver que le champ, il est à moi. Soit en apportant des témoins qui ont vu la vente, soit en apportant le contrat, donc, attesté, signé que lui-même a accepté de me le vendre. Sinon, je devrais le lui rendre. Après 3 ans, ça fait déjà 4 ans, 5 ans, 6 ans que je vis dans ce terrain. Alors dans ce cas-là, je vais dire, mais mon cher ami, tu n'as rien dit. Je vis dans cette maison sans que personne ne dise rien. Au bout de 3 ans, il y a maintenant 2 ans en arrière, j'en avais marre de stocker toutes ces paperasses, je les ai déchirées, je les ai jetées. C'est toi le fautif maintenant, fallait que tu te manifestes plus tôt. Si maintenant, selon ce principe, évident, si maintenant Réhouven va apporter, va dire, tous les ans, je ne faisais que de dire, il avait peur de moi, je suis quelqu'un de très violent. Il avait peur de moi, mais tous les ans, il prenait son zar et les témoins, il leur dit, vous savez, celui-là, là, rien, c'est un voleur, c'est lui qui m'a volé ma maison. Tous les ans, il se souciait d'avoir, de protester devant des témoins. J'ai amplifié le cas, ça suffit de le faire une fois, une marloquette, ou peut-être au pire, tous les 3 ans. En tout cas, tous les ans, il a pris des témoins, il a dit, celui-là, là, c'est un voleur, il squatte ma maison, il n'a pas le droit, mais je ne peux rien faire contre lui, il est trop violent, j'ai peur de lui. Dans ce cas-là, ça suffit, puisque moi, j'entends que le propriétaire initial proteste, je dois, moi, me soucier de garder mes preuves. D'accord ? C'est le principe de nos Mishnayot. Et selon ce principe, maintenant, on va arriver dans une nouvelle Mishnah. On a évoqué dans deux Mishnayot précédentes des cas particuliers de personnes qui ne peuvent pas, qui ne seront jamais présumés propriétaires, ils n'auront jamais de présomption de droit sur une maison, parce que par exemple, ils ont un droit d'exploiter, même bien que ça ne leur appartienne pas, donc de ce fait, le fait qu'ils exploitent, ça ne prouve rien du tout. Et dans notre Mishnah maintenant, on va parler d'utilisation pas dérangeante, qui font que dans ce cas-là, le fait que tu exploites de cette manière ne te présume pas propriétaire. De quoi ? Je préfère illustrer maintenant avec un cas classique. Une cage d'escalier, on est sûrement tous confrontés à ce type de problème. Une cage d'escalier avec un hall d'entrée, par exemple. En théorie, le hall d'entrée, on ne fait pas rentrer ni les vélos ni les poussettes. Il y a un hangar spécial, je ne sais pas, il y a une pièce spéciale, parce que là-bas, on met les vélos. Malgré tout, un voisin, depuis maintenant 4 ans, il rentre tous les soirs avec son vélo. Il attache à la barrière de l'escalier, sans que personne ne lui dise quelque chose. Au bout de 4 ans, il y a un voisin qui débarque et qui dit, bon allez, mon cher voisin, j'en ai marre, ça fait pas propre, ça me plaît pas, tu arrêtes. Et l'autre dit, quoi ? Comment tu oses ? Mais ça fait déjà... Alors, on va faire un petit comeback de toute la route finalement, de plus de la route qu'on a déjà vu dans le Mishnah. Ça veut dire, mais quoi ? Ça fait 4 ans que personne m'a rien dit. On lui dit, alors, ça vous rappelez, on avait appris, « Kol chazaka shenimata ana, il faut que tu expliques pourquoi tu détiens. » Donc premièrement, tu dégages.
Dire que personne n'a rien dit, c'est pas une bonne excuse. Jusqu'à maintenant, t'as rien dit, maintenant commence à te dire. Alors dégage. Si maintenant il affirme, mais il y a 4 ans, je vous ai demandé la permission, je vous ai expliqué que moi, je pouvais le crocher que ici, et vous avez tous été d'accord, tous les voisins étaient d'accord, que j'attache mon vélo dans le hall d'entrée. Ah, là, tu commences d'abord à affirmer 2 choses. Ça fait 3 ans, plus que 3 ans que tu exploites. Et en plus de ça, tu affirmes que tu as pris le droit de nous, on t'a donné le droit. On t'a donné le Beaskama, on t'a donné notre accord pour que tu fasses cette exploitation. Alors, est-ce que maintenant, il pourra prétendre, alors quoi, en théorie, on devrait lui dire, bon, ben, tu nous apportes une preuve qu'on t'a donné ce droit, est-ce que tu as un contrat signé? Et sur ça, il va dire, non, les amis, dans le cours de Mishnah Yomit, j'ai appris, si ça fait 3 ans que j'exploite, si ça fait 3 ans que j'exploite, sans que personne ne me dise rien, j'ai jeté mes preuves. Sur ça, notre Mishnah va venir nous dire, non, des utilisations entre voisins, entre associés, qui ne sont pas dérangeantes tellement, on ne peut pas avoir une chazaka. Parce que le fait qu'on se soit tué pendant 3 ans ne prouve pas que tu es propriétaire. On s'est tué parce qu'on ne voulait pas avoir des problèmes avec les voisins, parce que finalement on te comprenait. Et puis maintenant on te comprenait de cette manière, aujourd'hui on veut te comprendre autrement. D'accord? Donc entre voisins, on ne peut pas avoir de chazaka. Ça, sur le simple fait d'utiliser. Par contre, j'insiste, si c'est quelqu'un de l'extérieur, un voisin d'un autre immeuble, qui vient constamment et qui nous attache son vélo chez lui, il n'a pas de place dans son immeuble, il a des voisins casse-pieds, il vient sans arrêt, il met chez nous. Vous vous rendez compte, ça fait 3 ans qu'un étranger vient et attache son vélo sans que personne de chez nous ne lui dise rien. Lui, il aura une chazaka. Parce que c'est un étranger, il aura une chazaka. Alors que nous, chez nous, parce que c'est un voisin, il n'aura pas de chazaka. Et on reste maintenant avec notre même voisin de notre immeuble, avec un nouveau cas particulier. Supposons que maintenant, pour que son vélo soit protégé tranquillement, il s'est construit, il a mis un petit muret. Il a construit un petit muret fixé au sol, proprement, comme ça, il fait rentrer son vélo dans un petit coin là-bas sans que ça dérange personne. En tout cas, il a construit un muret. Alors là, il dit, mais quoi? Ça fait 3 ans que j'exploite, vous m'avez même permis de construire le mur. Eh bien, notre Mishnah va bien nous apprendre maintenant en nous disant, ah, tu as construit quelque chose de fixe. Là, c'est sûr qu'aucun voisin ne se serait tué si tu n'avais pas eu le droit. Donc, le fait que tu exploites prouve que tu es propriétaire, que tu détiens donc en droit, et tu seras présumé propriétaire, et ce sera nous de prouver qu'en fait, tu n'as rien acquis. Une autre précision, une dernière petite précision. Si on construit le muret, ce sera abordé dans la partie droite. S'il construit le muret, selon le Rambam, ce sera tout de suite, dans les 30 jours qui suivront, ce sera déjà une bonne chazaka, parce qu'il n'y a aucun voisin qui aurait toléré qu'un voisin se mette à construire quelque chose de fixe dans un lieu commun. On a compris toute la Mishnah. C'est exactement le principe de la Mishnah. Eilu dvarim sheyesh lahem chazaka, le eilu dvarim sheen lahem chazaka. Telles sont les choses que l'on peut détenir, être présumé possesseur. Principe de chazaka, détention ou présomption. Détention littéralement, présomption selon le principe, présomption de droit. Et le dvarim sheyesh chazaka, telles sont les actions qui vont former une chazaka, qui vont constituer une présomption de droit, qui sera le propriétaire présumé jusqu'à preuve du contraire. Et le dvarim sheyesh chazaka, et telles sont les actions qui ne suffisent pas pour prouver que c'est à lui. Et alors la Mishnah va nous donner une première liste de choses, d'actions relativement bénignes. Que deux voisins, attention, dans notre Mishnah, on parle de voisins, d'associés dans la même cour, pas d'un étranger. On le verra ensuite, quand on fera la synthèse. Donc je vais directement expliquer la Mishnah en associé, en voisin, en copropriétaire. C'est mieux qu'associé. Haya ma'amid be'ema be'chatzer. Il dressait son animal dans la cour. Il faisait rentrer tous les soirs son cheval, il l'attachait dans la cour commune. Tanour, un fourneau. Vekiraim, c'est une autre sorte. Il y en a un, c'est le fourneau, et l'autre, c'est Kiraim, c'est plutôt le. C'est une autre sorte de fourneau, c'est-à-dire on fait cuire au-dessus, en fait. Il y a des ouvertures, c'est comme les plaques de cuisson de chez nous. Verechaim, un petit moulin. On parle tout ça de biens qui sont mobiliers. Donc il fait des exploitations casse-pieds, certes, mais en tout cas, sans les fixer au sol. Des choses un peu encombrantes, dans la cour commune. Omega Delta Negolino, encore, il élevait ses poules. Venoten zivlo bachatzer, ou encore, il stockait son zevel, les excréments de ses vaches. La bouse de cheval, c'est bon, c'est des bons engrais, il faut les stocker quelque part. Il avait pris, il s'était pris un coin de la cour, et constamment il amenait là-bas tout ce qu'il trouvait dans la rue, il les ramassait, il venait les stocker là-bas, et aucun voisin ne lui disait rien. Malgré tout, ena chazaka. Toutes ces actions ne forment pas une chazaka, parce que c'est l'usage que des voisins, des copropriétaires,
ferme les yeux sur des petits écarts, des exploitations un petit peu dérangeantes, mais pas tellement. Ça ne prouve rien, le fait que ça fait déjà 3 ans que tu exploites de cette manière, ça ne te prouve aucun droit. Et pour rappel, on parle uniquement de copropriétaires. Par contre, si c'est un étranger qui vient et qui nous fait ses actions, alors là, bien sûr, qu'il aura une razaka au bout de 3 ans, il sera présumé qui détient le droit, qui détient de droit cette utilisation, il pourra continuer à l'utiliser. Ce sera, attention, ce sera une razaka un peu différente. Jusqu'à maintenant, on parlait de razaka pour prouver que le bien lui appartient. Là, maintenant, dans notre Mishnah, si c'est un étranger qui vient et qui exploite de cette manière, alors que nous aussi on continue à vivre ici, il pourra affirmer qu'il détient cette utilisation de droit. On ne pourra plus la lui supprimer. C'est logique. Si je vous donne un droit de venir chez moi, de venir dans ma cour faire sécher vos figues, par exemple, vous me prouvez que je vous ai vendu ce droit, je ne peux plus y renoncer. Je vous ai donné un droit. Je peux vous donner soit un terrain, soit un droit. Alors en l'occurrence, on parle de donner un droit. On continue maintenant la Mishnah. Maintenant, avec les copropriétaires qui vont réussir à faire une chazaka, qui vont réussir à faire une utilisation importante, qui dérange les autres voisins, et donc affirmer par cela être propriétaire présumé de cette utilisation. Aval, par contre, Asa Mechitsa Livhemto, s'il a fait une barrière de séparation pour son animal, Gevoa Asara Tfachim, haute de 10 Tfachim. Haute de 10 tfachim, de l'équivalent de 1 mètre, plus ou moins 90 cm, 98, 90. Donc elle a fait une mechitsa, il a construit un petit muret. Vechen la tanour, idem aussi pour le fourneau. Vechen la kira, le four, tanour c'est le four. Vechen la kiraim, pour plutôt la plaque de cuisson, le fourneau. Vechen la rechaim, idem aussi pour le moulin. Ichnis tarnegolin et tochabait, ou encore. On avait en fait une maison en copropriété. On ne parle plus de cour. On parle cette fois-ci qu'on a chacun sa chambre et on a un salon commun qu'on exploite, qu'on utilise. C'est peut-être fréquent dans la maison d'étudiants. À l'époque, il y avait comme ça dans la vieille maison de Jérusalem. J'ai un ami qui a grandi dans une maison pareille où ils étaient trois familles à vivre dans un minuscule 3 pièces où il y avait là-bas une cuisine et un salon commun. Et chacun, il avait sa petite pièce où il se retirait avec sa famille. Donc, si on est dans un truc comme ça, et qu'il y a maintenant un voisin qui fait « Ichnis tarnegolin et tochabait », il a fait entrer ses poules dans la maison. Oula, faire entrer des poules dans la maison, c'est infernal, ça salit tout, c'est vraiment dégueulasse, tout court. Et malgré tout, personne n'a rien dit, alors là, il aura une razaka de nouveau, ce sera le même principe. « Ve'asa makom les ivlo amok shlosha » ou encore, dans la cour, pour pouvoir stocker son fumier, les excréments, c'est le fumier, pour pouvoir stocker son fumier, il a approfondi, il a creusé dans le sol, et il a approfondi ça de 3 tfachim, et il a fait comme ça, il a retiré toute la terre, d'accord? Donc ça fait comme ça un endroit distinct dans la cour. Au gavoa shlosha, ou encore au de 3. Il a plutôt mis un socle fixe au sol, d'une hauteur de 3 tfachim, et dessus il stocke tout le fumier, à réseau chazaka, puisque maintenant ce devient des utilisations importantes, plus fixes, même entre voisins dans ce cas-là. L'habitude normale, le commun des hommes, proteste dès qu'il voit quelque chose de fixe. Vous imaginez bien, vous rentrez demain, vous réalisez que dans le hall d'entrée, un voisin s'est mis à construire un petit muret pour mettre constamment son vélo. Tout de suite, vous allez lui rentrer dedans, cette fois-ci, on ne ferme plus les yeux. Et donc, selon ce principe, puisque le voisin exploite et personne ne lui a rien dit, il n'aura plus besoin de rapporter son contrat qu'il a eu de cette utilisation de droit. Pour rappel, de nouveau, comme on l'avait dit à l'oral tout à l'heure, le voisin, donc le copropriétaire, aura une razaka lorsqu'il exploite de manière fixe au bout de 3 ans. Et selon le Rambam, tout de suite, en réalité, c'est au bout de 30 jours. Si pendant 30 jours, je ne sais pas, peut-être que je rajoute, c'est moi qui ai rajouté le 30 jours. Maintenant que je donne le cours, j'ai un petit doute. En tout cas, ce sera tout de suite, je ne sais pas si ce sera une semaine ou 30 jours. Mais en tout cas, dès qu'il aura fait le muret, si tous les voisins ont vu, dès qu'on est sûr que tous les voisins ont vu, et n'ont rien dit, selon le Rabbam, on aura une razaka tout de suite, ce ne sera même pas la peine d'attendre 3 ans. Si au bout de 2 mois, on vient lui dire, voilà, maintenant tu enlèves ton mur, s'il te plaît, il va nous dire, mais ça ne va pas, je l'ai fait de droit, j'ai accepté devant vous, vous avez tous accepté, vous avez tous vu le mur, fallait réagir tout de suite. Selon le Rabbam, on aura une razaka tout de suite. C'est clair, maintenant on peut reprendre toute la Mishnah, Bezant Hashem, avec le Bar Tanoura. Et le Dvrim Sheshlem Chazaka, qu'est-ce que ça signifie Sheshlem Chazaka? Imirzik Bekarka Chavero. Si il détient le terrain de son voisin. Leinianze shalosh shanim avec chazaka. Pour cette utilisation-là, cette exploitation,
au bout de 3 ans, ce sera une bonne chazaka, une bonne présomption de droit. Haya ma'amid be'emto b'chatzer. Il dressait son animal dans la cour. Attention, le bartender nous précise. Haytana b'chatzer ha'shutfim kai. Ce tana, là, cette mishnah, nous parle b'chatzer ha'shutfim. Un lieu, une cour en copropriété, kamayre. On parle de ça. Delo kabde adade a'amadat behema v'chayotseba. Que l'usage des copropriétaires est de ne pas être méticuleux, ne pas se prendre la tête sur de telles utilisations, telles que dresser son animal, même si peut-être que selon le droit strict, il n'avait peut-être pas le droit de faire entrer l'animal, mais l'usage, il est fermé les yeux sur des utilisations pareilles. Au Mishumachi, lo ave chazaka, et c'est pour cette raison que ce ne sera pas une chazaka, le fait de l'utiliser de cette manière. Même s'il a exploité cette utilisation pendant 3 ans, sans que personne ne lui dise rien, ça ne formera pas donc une bonne chazaka. Par contre, s'il a fait une mechitsa, une barrière de séparation, parce que dans un cas pareil, c'est sûr qu'ils sont makpidim, tout de suite ils protestent. Et s'il s'est tué pendant 3 ans et il n'a pas protesté, ce sera donc une bonne chazaka. Ça prouvera qu'il détient cette utilisation en droit. Il sera présumé utiliser tout droit. Rabbeinu Moshe bar Maimoni Piresh. Rabbeinu Moshe ben Maimon, c'est le Rambam. Rashi Tevot, ça fait Rambam. Le Rambam Piresh, des Beshutaf, que dans des copropriétaires, des Kapida Asiat Mechitsa, où là-bas, on proteste, l'usage il est de protester sur le fait qu'ils construisent un muret. Imasa Shutafo Mechitsa, Velo Micha, Le Alter Avechazaka. Si son voisin a construit cette barrière, Velo Micha, et l'autre ne lui a rien, n'a pas protesté, Léalter avec Hazaka. Immédiatement, il aura réussi à faire sa présomption de propriété. Avalinish de Alma, par contre, lorsque c'est une personne de l'extérieur, Avalpish Asa Mechitsa, Velo Micha, bien qu'il n'ait pas fait, Avalpish Asa Mechitsa, mais qu'il ait fait un muret, Velo Micha, et personne ne lui a rien dit, Lo avec Hazaka, Al-Achar Shaloshanim, ce ne sera pas une Hazaka. Que après 3 ans. C'est-à-dire, si je récapitule, il y a un petit détail que je voulais vous dire à l'oral. Quelque chose de très, une situation très originale. Regardez le mode. Si vous voulez, il y a deux différences. Le bartender met en valeur deux différences entre le voisin copropriétaire et l'étranger. D'une certaine manière, le voisin, dans une situation, il ne pourra pas prouver, faire une présomption de droit en utilisant, ça c'est que lorsqu'il utilise sans muret. Tandis qu'un étranger, le simple fait qu'il fasse rentrer son animal, ça prouve qu'il est devenu propriétaire au bout de 3 ans. Et aussi, le cas contraire, où cette fois-ci, ils vont construire un muret pour utiliser le lieu, la cour en copropriété. Et cette fois-ci, le voisin, tout de suite, il aura une chazaka. Et l'étranger, il devra toujours avoir encore 3 ans. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. De Hatzlacha, Kol Tov, Selah.